Vidéo ça est vraiment important et nécessaire pour tout le monde en général qui fait partie des programmes humanitariens par là ou bien programme Joe Biden. Je dis à la en pile information tombée. USCIS fin confirmé l'ISA. Nous prenons le forêt et nous prenons le dire pour qui est USCIS à travail dans le moment ça là et nous avons un message nous porter pour vous. Dans la fin de la vidéo, ça, nous allons le partager ensemble avec vous. L'important et conséquent pour tout le monde, de pousser un bénéficiaire ou bien un sponsor qui fait partie des programmes humanitaires par là. La vidéo, ça, vous devez prendre son pour garder le commencement et la fin parce que nous avons un pile d'informations qui sont très importantes que nous allons partager ensemble avec vous en dedans la vidéo. Ça. N'a pas salué chaque grand monde qui a regardé vidéo ça. Si vous êtes nouveau sur plateforme ça, vous pouvez abonner, m'a encouragé à faire ça pour nous là. Like vidéo, posez question pour l'espace commentaire. L'offre de garder, n'a pas évité de partager tout côté. Bah yon famille, bah yon ami, bah tout le monde qui vous connaît. Depuis que vous pensez, y a bénéficié. Jean qui nous a annoncé dans l'intro vidéo, en pile information tombée, USCIS confirmé on liste là. Nous prenons le forêt et nous prenons le dire pour qui est à travail. Ça n'a pas oublié de que, mesdames, messieurs, mais ça nous prenons le partager avant dans la fin de la vidéo. Ça, c'est important pour t'en dire. Avant de rentrer dans le détail, nous avons profité et des amis. Et après, nous prenons le bon tout détail. Nous avons un amis qui dit que c'est une très 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 belle question. Et chaque grand bénéficiaire qui est dans le programme, mesdames, messieurs, doit prêter attention. Qui dit nous consacre, il a appliqué pour lui dans le programme Biden. Nan. Tu as l'autorisation, tu as gagné erreur. Il a demandé pour corriger. Il dit nous que si 3 mois t'as passé, il a pour corriger. Il a été bali, on dirait de 90 jours. Il m'a dit nous, est-ce que si 90 jours ça t'a passé, il pour rejoindre une correction dans le dossier, est-ce que ça pas un problème? Très très belle question, amis. Merci pour la question. Tandis bien. Les wap appliqué, les wap rempli une information, tant qu'on a un programme, tant qu'on programme Biden, qu'on a accès à une autorisation voyage. Faut tenir à ce que l'information que wap mette dans la partie biographie, qui peut avoir accès pour venir avoir l'autorisation, pour ne pas faire erreur là-dedans. Mais souvent, faut ça arrive en pile monde qui toujours fait erreur là-dedans. Dans le document voyage là. Cependant, amis, tout le monde, c'est ça que je m'ai demandé, nous pouvons prêter attention avec ça. Qui a choisi voler, qui sortit avec tout erreur. C'est dernier temps ça, c'est une erreur dans nom, prénom, date de naissance, ou risquer perdre chance. Cependant, il y a quelques points importants ou besoin qu'on ait. Chaque monde, supposé qu'on prenne ça, le monde qui a fait et finalisation. Yo. Donc, scanner passeport, scanner visage, pour me demander et tu vas avoir l'autorisation. Premier chose qui est vraiment important, valabilité autorisation voyage là. Une autorisation voyage, vous voyez baou li valable pour 90 jours. Ça veut dire si erreur pas corrigé avant 90 jours passés, en même c'est la mis ensemble avec vous, autorisation a expiré et puis les cas affectés capacité ou pour voyager. Ou même zanmi qui te bien erreur CBP et CBP te bloqué dans aéroport ou te mandé pour corriger tu as vol là si erreur a pas été corrigé avant 90 jours puis dans 3 mois ou te ba ou immédiatement comprendre les cas affectés capacité pour voyager. Deuxième bagage qui est vraiment important encore, contacter autorité. Yo. Si vous avez correction, prend temps, zanmim, avant ma parler. L'important, très important pour contacter agence ou soit autorité qui est responsable pour programme nan bien bonnet. Exemple, moun CBP One, yo, USCIS, yo, sponsor supposé contacter yo très souvent. Ou même amis, très souvent, sponsor, si vous contactez CBP One,
il suppose contacter USCIS. Contacter USCIS, est-ce que il peut des corrections hein? Si il peut des corrections hein, sponsor supposé contacter CBP One pour dire que il était font erreur dans travail là, il était en sortie, il était contacter USCIS, USCIS dit que yo pour des corrections hein, yo même pour CBP One capable dire est-ce que yo même yo prêt parce que après 90 jours si tu as voilà expiré ou capable pas voyager. Bon bagage que me voulais dire là qui vraiment important pour me finir ensemble avec question ça que me trouve qui vraiment sensible et vraiment important. Mon tu as volé, mon le confirmer qu'a précipité pour faire processus yo, scanner passeport spécialement processus final là qui c'est scanner passeport scanner visage. Partie biographie assez partie qui pi important. Pour me finir ensemble avec aux amis, si autorisation voyage ou an, a expiré et puis correction pour qu'on fête, il a créé problème pour voyager. Il a créé problème pour voyage ou an. C'est peut-être ça, l'important pour rester en contact serré. Ensemble avec ni USCIS ni CBP One qui donc autorité concernée USCIS avec CBP One bay toute information nécessaire et puis considérer chercher assistance légale si ça nécessaire toujours protéger tête non surtout les n'a fait processus légal yo pour document capable sorti normal pour pas gagner aucun erreur pour ne pas joindre gens des problèmes ça yo même j'avais problème zanmi en joindre là qui c'est un gros problème tu avol là il sorti avec toute erreur la voyage yo bloqué li na airport là m'espérer que ou comprendre zanmi ou faire ça nous faire rester en contact serré faire sponsor rester en contact serré avec ni USCIS et CBP One pour capable porter correction hein, le plus tôt que possible avant même date expiration tu avol là li rive. Merci pour question. Nous gain un deuxième ami qui dit nous comme ça que yo appliqué pour le programme Biden nan depuis septembre 2023 et puis li pa jamais tant de sponsor encore. Li écrit sponsor li pa fait réponse. Li dit nous que li gain réussi à nan mail, li mande nous qui ça le fait. Ok, zamim. Dans un cas comme ça, si sponsor ça, c'est pas famille ou li, yon frère, yon cousin, yon ma tante, yon tonton, yon cousine, yon bon ami qui ki te mando la prenon service, pas de rien qui ou ka fè, c'est tan pour tan est-ce que a moun sa li te rempli pour tout bon vrai. Si sponsor ap essaye fuir, pour moi, son mauvais signe que liye. Si c'est pas un famille ou surtout. Et surtout si c'est quoi vous payer moun ça pour te remplir pour comment ça capable aimer moun nan trop pour nul trop il choisit pas puis quoi pour il pas répondre appel ou mais si c'est pas en famille bon m'espère que tout va aller bien et on va gagner rien que vous capable faire. OK zanmi Jean que nous te dit nan commencement vidéo a nous gagne plusieurs informations pour USCIS a frappé là en pile moun nan kè kontan et nous pral montre ou pou ki date USCIS a travay nan mouman la. Madame, monsieur, je regarde nan écran là. Ça c'est quand c'était de moun qui confirmé hier qui était dimanche 14 juillet 2024 là. Nous gagnons 23 janvier 2023. 3 moun confirmé, 25 janvier 2023, mesdames, messieurs, 2 moun confirmé, 27 janvier 2023, encore 7 moun confirmé, 28 janvier 2023, 81 moun confirmé. Date 28 janvier, c'est dans date ça, USCIS a travaillé d'arrache-pied là. Et USCIS a fait un pile recul dans date que l'été passé déjà. Donc, USCIS a fond repassé mais dans mois janvier.
Nous gagnons 13 février 5 moun confirmés, 2023, 19 février 4 moun pas confirmés, 24 février 3 moun confirmés, 2 mars 1 moun confirmés, 16 mars 2 moun confirmés, 10 avril 1 moun confirmés, 21 juin 2 moun confirmés, 23 juin 3 moun confirmés, 4 août 4 moun confirmés, 9 août 6 moun pas confirmés, 18 août, yon moun confirmé, 14 octobre, 2 moun confirmé, 25 octobre, yon moun confirmé, 28 octobre, 3 moun pas confirmé, 2 novembre, yon moun confirmé, 26 novembre, 3 moun confirmé, 7 décembre, yon moun confirmé. Mesdames, messieurs, nous capables de constater li, il y a 13 moun qui pas confirmé dans le programme humanitaire parole là, pas oublier. Chaque bénéficiaire sa yo, c'est pour yon moun, c'est pour yon sponsor différent. Maintenant, mesdames, messieurs, j'ai que nous te annoncé au lia. Nous avons un petit bout de audio là, partager ensemble avec vous, que nous trouvons qui vraiment important, cap utile chaque grand moun, immigrant ou bien bénéficiaire des programmes Biden. Ande ensemble avec vous. Selon DHS, il y a environ 309 000 Haïtiens qui sont éligibles pour appliquer pour nouveau TPSA. Ça qui pourrait l'ajouter sur 200 000 Haïtiens qui ont un TPS déjà, qui fait un total de environ 509 000 Haïtiens qui pourraient être capables d'appliquer pour TPS. Cependant, si vous êtes un monde qui a un TPS déjà, vous avez nécessité pour que vous renouvelez TPS entre 1er juillet 2024 à 30 août 2024. Pour qui ça? C'est parce que si vous avez un TPS et que vous avez 4 travail sur TPS, là, leur appliquer pour renouveler TPS là avec renouveler carte travail là, gouvernement ba ou une extension sur lui. Extension a duré 1 an. Ça veut dire extension a là jusqu'à 3 août 2025. Et donc extension ça lui permet que même si que ou bon carte travail nan men ou qui expiré, ou bien une extension jusqu'à 3 août 2025 pour continuer de travailler avec carte travail qui expiré à la men ou. Jusqu'à ce que vous voyez un nouveau 4 travail là-bas. Ou pas oublier 4 travail là, c'est pour 18 mois, mais extension, hein, c'est pour 12 mois. Balé nous confuse, la partie ça. Quatrièmement, et partie ça, c'est très important. Si vous avez appliqué pour TPS déjà, et que vous pouvez joindre, bien sûr, ça a existé. Il y a des gens qui ont appliqué dans TPS que vous avez depuis en 2022, qui jusqu'à présent attendent TPS. Yo. Si vous avez appliqué pour TPS déjà, vous pouvez joindre, pas de nécessité pour réappliquer pour TPS. Gouvernement a voué un nouveau TPS avec un nouveau cadre de travail barou qui a bien date d'expiration qui c'est février, alors 3 février 2026. Donc, pas de nécessité pour aller réappliquer un autre TPS avec un autre cadre de travail. Cinquièmement, quitte ou t'es venu dans Biden, quitte ou t'es venu sous visa, quelle que soit la façon où t'es venu ici, depuis que haïtien et ou t'es dans le pays le 3 juin 2024 ou bien avant ça, ou éligible pour appliquer pour TPS. Sixièmement, si vous avez un cas de travail déjà, par exemple, il y a des gens qui viennent par frontière au Mexique, il y a des gens qui viennent dans le programme Biden, ou bien il y a des gens qui sont asile, qui ont un cas de travail déjà. Pas de nécessité pour que vous appliquiez pour cas de travail. Vous avez juste fait TPS là seulement. Pas oublier, l'appliquer pour TPS, ça qui est plus important, c'est TPS là. Parce que c'est les mêmes qui statuent. Hein. Maintenant, si vous voulez travail, vous avez appliqué pour un cas de travail sous statut TPS là. Mais ou pas forcément obligé d'appliquer pour 4 travail là. Et donc, on dit ou même qui vient dans le programme Biden qui a 4 travail 2 ans, mais ou. Donc, ou cas juste appliquer pour TPS là et continuer de travailler sur 4 travail par là. Et le 4 travail par là pral expirer ou appliquer pour 4 travail TPS là. Parce que ou pas forcément obligé d'appliquer pour 4 travail là pendant que vous avez appliqué pour TPS là. D'ailleurs, c'est 4 travail là qui est plus cher. 4 travail là coûte 470 $. Donc, on va juste appliquer pour TPS là, et puis le cas de travail qui est dans mon appareil expiré, on va appliquer pour nouveau cas de travail TPS là. Merci avec nous toutes et nos chagrins fanatiques, familles et amis qui t'écoutent, écoute nous pour nous dégager la vidéo, ça décommence pas, on a fin. Bye bye, à la prochaine. On a une autre vidéo encore.